Bonjour, je m'appelle Henri, je suis pharmacien à la Polyclinique Vauban de Valenciennes, mais également Institut ophtalmique de Somain. Je fais partie de l'équipe de recherche clinique pour le territoire des Hauts-de-France du groupe ELSAN. Pour résumer, le pharmacien est un acteur central de la recherche clinique en tant que garant du circuit du médicament expérimental. À partir de la mise en place d'un essai, le pharmacien est un interlocuteur régulier de l'attaché de recherche clinique et du promoteur de l'étude, qui est souvent un laboratoire pharmaceutique. Lors d'une visite de sélection, le pharmacien évalue la faisabilité d'une étude par rapport à la dimension de sa structure, au nombre de patients à inclure, aux équipements nécessaires pour mener à bien l'étude conformément au protocole, par exemple espace de stockage réfrigéré de taille suffisante à la pharmacie. Durant l'étude, lors des différentes visites, le demandeur de l'étude réalisera des visites de contrôle planifiées avec le pharmacien. La visite de monitoring ne se déroule jamais à distance. L'objectif de ces visites est de suivre le bon déroulé de l'étude. Le pharmacien responsable de la gestion de l'essai clinique est garant du process qualité tout au long de l'essai. Il forme le personnel concerné, comme les préparateurs en pharmacie, les infirmières de recherche clinique par exemple. Le pharmacien doit gérer et signaler au promoteur tous les problèmes qui surviennent au cours de l'étude. À réception des produits expérimentaux, c'est au pharmacien d'en vérifier l'intégrité et la quantité, la date de péremption, l'adéquation des numéros de lot ou de traitement, de même que l'enregistrement des températures durant le transport. Le pharmacien valide la prescription et informe le service clinique ou le patient sur le bon usage et les conditions de retour et, bien sûr, les traitements concomitants autorisés ou interdits. La dispensation à délivrance nominative est quasiment toujours privilégiée. Selon les études, la pharmacie peut également participer ou collaborer avec d'autres pharmaciens à des actions de pharmacie clinique intégrées au parcours lié au médicament expérimental ou au protocole d'essai clinique.